Salut Laurent et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, tu es avec nous pour nous parler d'Instagram. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter tout d'abord? Bonjour à tous, puis merci pour l'interview. Donc oui, donc je m'appelle Laurent, comme tu l'as dit, je suis plus connu sous le pseudo de Classy Laurent sur Instagram. Donc j'ai développé une audience de plus de 142 000 abonnés dans la niche du luxe, du business et de l'entrepreneuriat. Et à côté de ça, je suis également consultant Instagram, donc je viens en aide à plusieurs entreprises et même des particuliers dans le développement de leur présence en ligne. Donc ça, je le fais soit à travers mon agence, où je gère des comptes Instagram pour des entreprises. Et également, j'effectue beaucoup de missions consulting, des audits, des séminaires pour les entreprises ou pour des particuliers pour les aider à se développer sur réseau social. D'accord. Et du coup, toi, ça fait longtemps que tu t'es sur Instagram? Alors moi, Instagram, au début, j'avais un compte un peu comme tout le monde hein, pour partager la vie de tous les jours. Et on va dire que c'est en 2015 que j'ai commencé un peu plus à travailler des techniques, enfin vraiment à me concentrer sur comment développer ma communauté. Donc on va dire que c'est depuis 2015. Donc en gros, en 3 ans, c'est ça, parce qu'on est ouais, fin Voilà. 2018, en 3 ans, tu as Exact. réussi à amener 142 000 abonnés. Donc c'est plutôt pas mal, Voilà. et c'est vrai que c'est une niche en plus qui est assez lucrative, parce que le luxe, c'est un peu dur d'y aller au début, mais après, tu as quand même pas mal d'avantages quand y es. Oui, Justement, beaucoup bah, de j'aimerais que tu portes partages ouvertes. avec... Pardon. Ouais, c'est ça, ouais, Beaucoup de débouchés, je dis. Bah, tu as raison, parce que du coup, tu dois avoir, tu dois avoir pas mal de partenariats avec des grands hôtels, comment dire, des compagnies aériennes, etc., non? Exact, exact. Ouais, beaucoup de débouchés, puis la possibilité forcément de rencontrer des personnes qui sont dans des milieux assez aisés, donc des milieux forcément, dans le sens, ça peut devenir des contacts dans plusieurs domaines par la suite. Donc c'est très intéressant en tout cas. Ouais. Exact. Ouais, forcément, forcément, c'est assez intéressant. Et du coup, est-ce que tu pourrais partager avec nous quelles sont les clés pour toi pour réussir sur Instagram en 2018, en 2019 et dans le futur? Alors pour moi, les clés pour réussir, il n'y en a pas 50. Je dirais que le premier secret en gros pour réussir, c'est la qualité du contenu. Ça peut paraître très bête, ça peut paraître un peu, on va dire, le truc qu'on peut trouver un peu partout sur Internet, mais je vous assure que la qualité du contenu, vous pouvez utiliser toutes les techniques du monde. Si derrière votre contenu ne suit pas, si vous ne postez pas de la qualité, si vous le faites pas avec passion, si vous vous forcez à poster puis que vous postez n'importe quoi, bah, vous n'allez jamais vraiment vous développer sur Instagram. Ça, c'est la première clé de réussite. Et ensuite, pour moi, la deuxième chose, ça va être la régularité. C'est le fait d'être régulier dans ses posts, de poster tous les jours, d'engager avec sa communauté, poser des questions, répondre aux commentaires, répondre aux messages. Ça prend du temps, c'est même très long. Des fois, on n'a pas forcément envie de le faire, mais il faut le faire. Donc voilà. Très important en tout cas d'engager avec sa communauté, de poster régulièrement, même voire tous les jours si on le peut, et éviter justement de laisser son audience sans poste pendant une période quoi. D'accord, Voilà, pour mais moi c'est vraiment c'est les bien ce que clés. tu dis. C'est quelque chose que je répète beaucoup, c'est que beaucoup de personnes créent des comptes, que ce soit Instagram, YouTube, peu importe, mais surtout Instagram, et en fait, ils répondent à aucun commentaire. Et tu es d'accord que c'est bête, puisque tu sais comment marche l'algorithme Instagram, c'est qu'en L'algorithme, ouais. fait, plus tu as de commentaires, mieux c'est. Et en fait, dès que tu as un commentaire, tu peux doubler ce nombre juste en répondant, tu vois. Donc, c'est beaucoup plus Voilà. intéressant pour toi. Et en plus, tu engages ta communauté, comme tu le dis, ouais. Et Exactement. c'est vrai que c'est assez intéressant. Et il y a aussi une question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Instagram, c'est vraiment un réseau social que de photos ou pour toi, les vidéos marchent aussi? Alors pour moi, les vidéos, c'est bien, elles sont bien plus puissantes que les photos. Ça, faut le savoir. Déjà, les vidéos dans l'Explorer, elles se mettent en avant. Donc, elles sont bien plus, elles sont tout au-dessus, elles sont toujours en avant, en gros, par rapport aux photos. Donc les vidéos, D'accord. vous aurez Alors, attends, beaucoup juste 2 plus. secondes, je précise juste pour ceux qui ne connaissent pas, l'Explorer, c'est la petite loupe pour rechercher d'autres comptes et d'autres contenus. Voilà, Voilà, c'est continue. le truc de au milieu, enfin au milieu. Il y a un peu tout et il y a beaucoup de pages pour justement l'explorer davantage de comptes, quoi. C'est les gens qu'on ne C'est suit ça. pas, c'est les gens qu'on pourrait être susceptibles, qu'on pourrait aimer, qu'on pourrait suivre. C'est Instagram qui met en place un algorithme qui fonctionne sur différents points. Pour nous proposer des photos qui devraient normalement nous plaire selon différents critères. Voilà. C'est Donc, ça. Et donc toi, tu disais que les vidéos étaient plus mises en avant sur l'Explorer voilà, que les des photos. vidéos sont exact. Les vidéos sont plus mises en avant et surtout il y a plus de facilité en fait de finir en viral en fait avec une vidéo plutôt qu'avec un post.
Et D'accord. le dernier petit point, c'est que sur les stories, moi j'ai fait des tests, les vidéos elles ont beaucoup plus de vues que les photos en story. Et Voilà. comment tu peux justifier ça, sachant qu'une story, tant que tu ne l'as pas vue, tu ne peux pas savoir ce que c'est, tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce que Instagram compte une vue? Ça moi je ne sais pas, c'est intéressant. Est-ce qu'il compte une vue si tu restes moins d'une seconde sur la story? Ah, tu dis sur quoi? Tu dis sur une story là? Non, une story. Oui, je parle Une sur la story, story, ouais. une fois que la personne elle laisse sur la story, ça la compte comme une vue. C'est pas comme une D'accord. vidéo en post. Une vidéo en post, il me semble que c'est 3 secondes avant que ça compte Ok, donc ils ça font compte comme comme sur vue. Facebook. Voilà. Mais sur story, par contre, une fois que la personne elle va dessus, ça compte comme vue, quoi. Ok, et donc tu disais que les vidéos en story marchent mieux que les photos en story, c'est ça? Exact, ouais, exact. Les vidéos, elles ont plus de. À chaque fois que je mets une vidéo, ça a beaucoup plus de vues. Voilà. D'accord, ok. Bah, c'est super intéressant ça parce que bah, on ne se rend pas compte et aujourd'hui les gens qui utilisent Instagram n'utilisent pas assez les stories malheureusement. Et les stories c'est beaucoup plus engageant qu'un post. Exact. Beaucoup plus, même pour vendre, je trouve que c'est bien mieux. Je trouve que c'est Bah, bien mieux. Ouais. je suis d'accord avec toi et justement ça va faire la passerelle avec ma deuxième question, c'est que pour vendre je pense qu'il est plus efficace de faire des stories et nous quand on fait du commerce on utilise des influenceurs sauf si tu as un gros compte Instagram mais peu de personnes l'ont et du coup avec un influenceur qu'est-ce que tu préconises? Toi tu préconises un post parce qu'il y a des gens qui font, je pense que tu as dû le faire, des posts de 24 Ouais, heures, des 12 heures. ouais, ok, ouais, y a différents moyens de travailler avec un influenceur. Je pense que l'alternative de poste de 12 heures ou de 24 heures, c'est une bonne alternative dans la mesure où, en fait, sur Insta, contrairement à YouTube où une vidéo elle peut grossir et puis ça augmente, on va dire, le nombre de vues, le nombre de likes augmente avec le temps. Donc, dans le sens, tu postes une vidéo aujourd'hui, peut-être dans 5 jours, tu as seulement 100 vues, mais peut-être 2 semaines après, tu as 1000 vues. Une vidéo YouTube elle D'accord. reste, mais c'est vrai qu'un post Insta en général, on va dire qu'après 24 heures, le nombre de likes, le nombre de vues il commence à baisser. Et je pense qu'après 3-4 jours, le post il a plus vraiment de likes, quoi, il a plus vraiment d'engagement. Ouais, bah oui, parce que la courbe d'engagement descend. Et du coup, c'est plus intéressant quand tu travailles avec un influenceur, c'est plus intéressant de faire des stories qui restent donc 24 heures automatiquement ou alors un post. Le mieux, je trouve que c'est de passer par des stories. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va toujours payer moins pour une story que pour un post. C'est D'accord. normal. On paiera toujours moins pour une story que pour un post, alors que je trouve que limite, la story, elle peut vous apporter, enfin, selon comment la story est bien sûr réalisée. Mais c'est vrai qu'une story, s'il y a l'option en plus swipe up, donc si la personne dispose de l'option swipe up, c'est à partir de 10 000 abonnés. Si elle a l'option Ouais. swipe up, clairement, c'est plus puissant qu'un post parce que vous avez juste à glisser vers le haut puis vous accédez à la page de vente. Donc, Ouais, ça c'est clair. C'est clair que c'est intéressant ça. c'est vrai qu'une story, c'est quand même le mieux. Puis le mieux encore, c'est vraiment de lui demander à l'influenceur ces différents packages qu'il propose. Parce qu'en général, ils ont ce qu'on appelle des packages où il dit par exemple pour 3 stories, un post, je te facture tant. Ça, c'est le mieux parce que là, on touche en fait. On touche le maximum de l'audience de la personne, Ouais, de c'est ça, et l'influenceur. ça te permet de faire des rappels en plus sur ton Voilà. audience, quoi. Ça relance, etc. C'est mieux. Ok, bah super, merci pour les précisions. Et du coup, comment toi, si tu avais un business et que tu devais choisir un influenceur, comment tu choisirais un bon influenceur? Qu'est-ce qui fait que tu choisis tel influenceur plutôt qu'un autre? Bah, pour choisir un influenceur, déjà, faut vraiment, c'est très important de vraiment se dire quelle est ma thématique, en gros. Donc ça peut paraître bête, mais dans le sens, faut pas être trop large, tu vois. C'est vraiment important. Plus vous êtes précis dans le choix de votre influenceur. Par exemple, quelqu'un, si vous vendez des chaussures, par exemple, Ouais. vous avez une marque de chaussures, admettons. Bah, au lieu de prendre un influenceur qui est dans la mode générale, ça peut être aussi très bénéfique, hein, pour vous. Si vous arrivez à trouver quelqu'un qui poste que bon, il n'a pas des milliers, hein, c'est sûr. Si vous arrivez à trouver Ouais, un mais c'est bien, influenceur c'est mieux qui est que dans les ciblé. chaussures, bah, c'est sûr que le gars, lui qui est influenceur que dans les chaussures, qui a 10 000 abonnés, vous pensez bien que lui va être bien plus puissant pour vous que le gars qui a 30 ou 40 000, mais dans la mode en général. Donc, Ouais, c'est important. c'est exactement ce que j'explique en général, c'est que c'est pas le nombre final. Bon, évidemment, plus t'en as, mieux c'est, mais c'est quand même la qualité de l'audience que Exact, tu vises. exact. C'est comme Ça tu disais, si qualifie, t'as ouais. quelqu'un qui fait que des chaussures et qui est, bah, c'est beaucoup plus qualifié si tu vends des chaussures que quelqu'un qui fait de la mode et qui fait un peu de tout, quoi.
Et tu sais, on a souvent parlé, pour prévenir des gens qui achètent des abonnés, etc. On a parlé du fait du taux d'engagement. Il faut qu'il soit supérieur à 3%, c'est ça? Bah, il n'y a pas de normes, hein. Honnêtement, il y a des niches où ça engage beaucoup et des niches où ça engage moins. C'est vraiment pas une question d'engagement. Ce qu'il faut regarder, en fait, c'est surtout regarder les tout, bah, l'engagement, c'est quelque chose qu'on peut effectivement regarder. Mais le mieux, c'est de regarder le nombre d'impressions, le nombre de la portée de la publication en elle-même. En gros, D'accord. combien de personnes la publication a touché. C'est ça qui est le Oui, plus c'est ça. important. Alors moi, demain, je peux très bien acheter un produit que j'ai vu sur Instagram alors que j'ai pas mis de like et j'ai mis aucun commentaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Ouais, qu'au bien sûr. final, moi, c'est pas forcément ceux qui like le plus qui vont acheter le produit qui est mis en avant. Tu vois ce que je veux dire? C'est Non, bien vraiment sûr, un like, ça veut rien dire. ce qui est important, c'est de voir quelqu'un qui bah, lui demander en fait ses stats par photo et lui demander en fait en gros combien d'impressions, combien en portée de publication il arrive à avoir en termes de personnes qui voient la photo. C'est vraiment ça qui est important, D'accord, ok, bah plus c'est que bien de clarifier. l'engagement. Après, c'est vrai que D'accord. l'engagement, c'est important de le voir. Pourquoi? C'est plus pour voir si l'influenceur il a une audience engagée, enfin, si lui-même engage avec son audience, s'il répond, s'il a une audience qualifiée et fidèle. Donc là, il faut regarder les likes et puis aussi, surtout, moi, je trouve que c'est les commentaires qui sont le plus important. Parce que les Oui, commentaires, parce c'est que ce qui il y a montre les le vrai groupes engagement d'une d'engagement. audience. Il y a les groupes d'engagement, tu sais, où c'est les gens qui commentent Ouais. juste top, bravo, super, merci. Oui, ceux-là, on les remarque. Oui, c'est sûr que ça, c'est la base. En gros, c'est tous les influenceurs qui utilisent, hein, mais ça, c'est normal. C'est-à-dire, c'est une stratégie pour se développer. C'est une stratégie qui fonctionne même très bien. Oui, ça, je Que suis tous d'accord. les C'est influenceurs pas mal, mais je veux dire, utilisent. tu peux pas le compter comme de l'engagement. Non, non, clairement, clairement non. Mais eux, ils font ça pour obtenir un engagement supplémentaire. Donc ça, on le voit, en fait. Vous allez le voir. Vous pouvez même regarder chaque commentaire. Franchement, c'est pas grave si vous prenez du temps à analyser un influenceur. C'est vraiment pas. Ça peut vous prendre du temps, mais au moins après, vous allez avoir des meilleurs résultats. Mais si vous regardez chaque commentaire qu'il obtient, au moins vous avez une meilleure idée de son engagement. Bah, c'est ça, l'idée c'est de regarder, je pense, les 9 meilleurs posts et de regarder l'engagement. Après, c'est sûr que si c'est un influenceur, comme tu dis, avec les groupes d'engagement, bah, il va avoir forcément des commentaires de bah, un peu basiques et lambda, et c'est tout à fait normal. Mais si au-delà de ça, il a plein de gens qui commentent vraiment, bah là, ça veut dire qu'il a quand même une audience engagée, et je pense que c'est le plus important au final. C'est pas le nombre de Ouais, commentaires, c'est c'est vraiment la exact, qualité. exact. Ouais. Puis c'est compliqué de savoir aujourd'hui, honnêtement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal de sites qui permettent en fait de voir les statistiques, qui après mettent une note. Mais le problème de ces sites, c'est que souvent, c'est soit ils aiment pas le gars qui utilise telle ou telle technique, donc ils vont lui faire baisser sa note, ou alors ils vont, par exemple, si sur un post une personne elle a moins d'engagement que sur un autre, elle va aussi lui baisser sa note. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les sites, Ouais, faut non, pas bien sûr. trop non plus. Par exemple, moi, je vais te dire un truc. Moi, j'ai toujours mes photos. J'ai laissé mes photos de l'époque où j'ai commencé, tu vois. D'accord. Donc, l'époque 2015, forcément, j'avais bah, très peu de likes. Tu vois, par photo, je devais avoir, je sais pas, j'avais même pas 1000 abonnés, donc j'avais même pas 100 likes. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est Ouais, des photos qui, évidemment. pour moi, je les laisse parce que ça montre un peu tout les historiques. Pour moi, c'est important, en fait, de les laisser, puis j'ai pas envie de les enlever, tu vois. Mais après, le souci avec ça, forcément, c'est qu'après, les sites qui calculent, en fait, le taux d'engagement, bah, ils regardent toutes les photos. Donc moi, quand j'ai une centaine de, enfin non, un peu moins quand même, peut-être 50 ou 60 photos de l'époque où, bah, forcément, j'avais entre 100 puis 300 likes, tu vois, au début, à mes débuts en 2015. Forcément, après le taux d'engagement total, quand ils font une moyenne, ça chute par rapport à mes nouvelles photos qui ont 6000, 7000 likes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah Dans c'est le sens où normal, c'est normal. ça fait une moyenne qui est pas si bien. Et ça, tout ça, c'est à cause de ça. Mais c'est pour ça que c'est important de ne pas se baser sur ces sites-là. Et c'est important de faire sa propre recherche. Je pense, sa propre recherche influenceur par influenceur. Puis même si Et ça ouais, et prend puis du temps. aussi les sites, je pense qu'ils n'ont pas l'algorithme à jour comme peut l'avoir Instagram, tu vois ce que je veux dire? Exact, exact. Ouais. Donc Non, mais ces merci. sites-là, vous pouvez les utiliser comme base. Mais après, le mieux pour trouver un influenceur, moi je le dis honnêtement, c'est ce que je conseille tout le temps,
C'est même pas d'utiliser des plateformes d'influence, enfin, les plateformes de mise en relation, parce que souvent ils prennent des marges. Et puis en fait, en réalité, ils vous conseillent même des fois des influenceurs qui ne sont pas forcément très réels, on va dire. Ouais. Souvent, en fait, c'est leur promesse, mais des fois, c'est même pas vrai. Hein. Donc, le mieux, honnêtement, c'est de faire votre recherche vous-même. Ça va vous prendre du temps, ça va peut-être vous prendre aller même. Vous prenez une après-midi pour faire ça, mais je vous assure qu'après, les résultats, ils vont suivre, quoi. Ça, voilà. Ouais, c'est ça. Et en plus, ce qui est bien avec les influenceurs Instagram, c'est comme j'explique souvent, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir toute la connaissance de l'algorithme Facebook qui change tous les deux jours. Là, Instagram, c'est tu parles à un autre humain, tu négocies avec lui, et puis s'il accepte et qu'il est en raccord avec ta niche, bah, tu peux toucher une audience directement. Et si tu négocies bien, pour pas trop cher, tu vois. Bah même, donc ça même peut être vraiment intéressant. Pour pas cher, c'est aujourd'hui les influenceurs qui ont 10 000, 20 000 abonnés, c'est ce qu'on appelle donc des micro-influenceurs. En fait, eux, ils ne savent même pas qu'ils sont influenceurs, pour te dire. Et en fait, ces gars-là, juste en leur offrant un de vos produits, vous pouvez ils peuvent vous mettre un post ou une story gratuitement. Donc après, vous trouvez 10 influenceurs à 10 000 abonnés, là, vous touchez 100 000 personnes, alors que si vous avez choisi un influenceur à 100 000 abonnés, lui, vous aurez pris 500, entre 500 et 1 000 balles pour le placement de produit, quoi. Non, mais t'as raison, ça, c'est une très bonne technique. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que ça dépasse les 10 000 abonnés pour avoir le swipe up en story. Mmh. Et je pense que ça, sans le swipe up, sinon ça sert à rien, je pense. Exact. Sans swipe up, le problème, c'est que ça, bah, forcément, ça fait plus de manipulation pour les usagers, enfin, pour les abonnés qui doivent se rendre sur le lien, enfin, sur la biographie, cliquer. Faut limiter au maximum le déplacement de l'audience. Ils sont assez flemmards, les gens. Ah, bah oui! Et donc après, comme tu rajoutes la friction, tu parles de la conversion. Suite, voilà. Donc voilà, moi, c'est ce que je vous conseille, c'est de prendre des micro-influenceurs, d'en prendre plusieurs, leur envoyer des produits, puis après, vous verrez, en fait, ils vont vous rendre le truc, quoi. Ok, super. Et du coup, pour finir, est-ce que tu as une petite nouveauté qui sort ou va sortir sur Instagram et qui va permettre de vraiment tout tuer? Alors, des nouveautés qui vont tout tuer, je sais pas, mais après, des nouveautés, il y a là, récemment, il y a un nouveau mode qui peut être pas mal, notamment pour la recherche d'influenceurs, parce que ça permet en fait de savoir depuis quand le compte a été créé, avec quel nom identifiant. En fait, ça montre en fait l'historique du compte, c'est pour savoir si l'influenceur, il est vraiment là depuis longtemps, donc ça prouve quand même beaucoup de choses, moi, je trouve, hein. Personnellement, ouais, au niveau du pseudo, etc., parce que vous avez des gens qui rachètent des pages, qui changent le pseudo. Donc, au moins, ça permet de savoir l'historique d'une page. Donc, c'est assez intéressant comme fonctionnalité. Après, comme fonctionnalité, également le mode badge vérifié qui a été incorporé, dans le sens où on peut demander son badge vérifié. Donc, ça peut être bien, bah, déjà pour les influenceurs, mais également pour les marques. Donc, si vous avez une marque qui commence un petit peu à se faire connaître, et qui commence à... Il y a des prérequis par rapport à ça, d'ailleurs. Il faut combien d'abonnés, à peu près? C'est pas par rapport au nombre d'abonnés, en fait. C'est plus une question de si notre marque, elle se fait connaître sur le web, etc. Si vous avez déjà un site, si vous avez une page Facebook, si vous avez une présence en ligne, je ne sais pas si peut-être votre marque, elle a commencé à se faire connaître, peut-être des petits articles dessus. Vous pouvez déjà faire la demande de vérification, en tout cas. D'accord, ok. Ouais, ça, c'est vrai que bah, le badge vérifié, c'est un boost pour la crédibilité de la marque. C'est énorme. Surtout pour un... Moi, je trouve que pour un influenceur, c'est plus puissant que pour une marque. Mais, oui, évidemment. Ça apporte beaucoup de crédibilité, puis ça montre en fait que la personne, elle est vraie, quoi. Donc, c'est clair que c'est puissant. Et il y a aussi une petite nouveauté, je sais pas si toi tu... Alors moi je l'ai pas encore eu sur mon... Parce que j'ai un site aux États-Unis, mais il est pas assez gros. Mais j'ai vu en nouveauté, c'est Instagram Shopping en story. C'est-à-dire que tu peux mettre des articles sur ta marque, tu peux mettre des articles et directement tu peux les identifier. Et ça va, même si t'as pas 10 000 abonnés, en fait tu peux aller sur le produit et c'est plutôt pas mal ça. Ouais, ça c'est sur effectivement sur les posts. Maintenant il faut juste avoir un catalogue Facebook. C'est ça, un catalogue de produits. Un catalogue de produits sur Facebook. Et puis après, en fait, une fois qu'on a ça, on peut effectuer la demande.
Tu la demandes en général, il accepte, hein, sauf s'il faut juste remplir un truc comme quoi les conditions sont acceptées, etc. Et après, ça prend quelques jours ou quelques heures, et puis après, ils acceptent effectivement la demande, et puis on a la possibilité de mettre en place forcément cette fonctionnalité qui peut être très puissante Oui. pour les marques notamment. Aujourd'hui, il n'y a que les très grosses marques qui le font, parce que je crois qu'il n'y a pas tous les pays dans le monde qui ont encore accès à ça. Ça va arriver en Donc, France, il me semble, dans quelques mois. c'est au train d'arriver, exact, c'est au train d'arriver. Moi, je suis sur Suisse, donc en France, je ne sais pas encore, mais ouais, c'est au train d'arriver. Souvent, pour les dates, en fait, ils donnent des dates, mais ils ne respectent jamais leur délai. Oui, bah oui, Déjà qu'il y évidemment. avait le mode business qui était sorti, le mode professionnel, là. Ouais, Qui bien était sûr. sorti, il l'avait déjà annoncé dans un premier pays. Et plus, ça devait être l'Australie. Souvent, ils aiment bien lancer les trucs en Australie, après États-Unis. Puis après, ils devaient le faire en Europe. Ils avaient donné une date, puis ils l'ont fait seulement un mois après. Donc voilà, faut attendre. Et puis, y a tout qui va bien se passer, à mon avis. Ouais, mais je pense que C'est que. le futur pour... Vas-y, vas-y, continue. Ouais, j'allais en fait reprendre à mon avis ce que tu allais dire. Je pense que Instagram maintenant, encore plus que c'est un Facebook depuis un petit moment, donc forcément, on Ouais. s'imagine qu'eux, ils sont axés dans l'optique de vente et puis de mise en avant et de facilité d'accès pour des pages de vente. Donc c'est sûr que je pense qu'à terme, ça va vraiment être très très simple d'acheter des produits, de se rendre directement sur une page de vente, quoi, sur une page de produits. Je pense Ouais, c'est que exactement ce que je voulais dire, c'est que moi swipe je up, pense que... tu deviendras obsolète. Ouais, c'est exactement ça, mais je pense vraiment qu'Instagram, c'est le réseau social de l'avenir pour l'e-commerce, ça c'est sûr. Mais même pour du branding et du marketing, si aujourd'hui une marque n'est pas sur Instagram, elle n'a rien compris, quoi. Enfin, je pense que plus que Facebook est en train de devenir bizarre et ça devient un peu mort, malheureusement. Je pense qu'Instagram, ils ont compris que c'est là où ils allaient faire beaucoup d'argent, c'est avec le e-commerce, le retail, etc. Et qu'ils vont. Enfin, faut vraiment être dessus, quoi. Ouais, Moi, je pense. exact. Ouais, c'est ça. Donc, écoute, merci beaucoup d'être venu sur la chaîne. Merci à On peut te toi. retrouver donc sur ta chaîne YouTube. Tu donnes des conseils sur Instagram. Exact, Donc, exact. on va mettre le lien dans la description. Et puis, je vais mettre aussi ton lien Instagram. Comme ça, les gens peuvent déjà regarder ce que tu fais. Et surtout, comme tu as des formations sur Instagram, qu'ils n'hésitent pas à aller voir. Et puis, si tu as le lien de ta formation, j'hésiterai pas à le rajouter dans la description. D'accord? Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt, Laurent. Et tu repasses sur À la chaîne quand bientôt. tu veux. Merci. Bye.